Vous les voyez, tous ces hommes postés autour de votre lieu de travail? Non? Vous pensez que leurs armes sont là pour décorer? Ce que vous osez me soumettre est inacceptable! Si vous pensez pouvoir me duper et me mentir, alors je vais tous vous mettre contre le mur en randonnant et vous montrer ce qu'on fait subir aux traîtres! Nouveaux ordres! Nouvelle consigne pour vous tous. Je veux voir de quoi Brokatek est vraiment capable. Vous seriez déjà à moi si Sky Larsen ne m'avait pas baisé pour la fusion. Alors considérez cela comme une acquisition différée. Bonjour, Timothée Blackman. Oh merde! Sky Larsen est dans la salle de séjour. Votre putain de maison sait comment je m'appelle? Waouh! Cool l'hologramme! Oh, c'est pour les plans d'étoiles noires? Je vous demande de vous concentrer, Monsieur Blackman. C'est Wrench. Je sais que vous avez le Broca Bridge. Moi? Bon, ok, j'avoue, c'est moi qui le garde, mais pour que personne ne le pique. Parole de scout. À cause de votre différend, Thomas Rempart a décidé que s'il ne pouvait avoir le Broca Bridge, il irait directement à la source. Il a pris d'assaut mes labos clandestins. J'ai besoin que vous éliminiez ses forces, que je puisse récupérer ce qui m'appartient. Ok, je m'attarde pas sur le fait que vous sachiez tout sur ce bordel, mais vous pourriez aider Aiden. Si vous sécurisez mes labos, je vous aiderai à réveiller Aiden Pierce de son coma. Comment? Savez-vous à quoi servent ces laboratoires? Pourquoi je les garde secrets? Ramenez-moi le Broca Bridge au labo, et je vous montrerai ce qu'il peut réaliser. Bon, petit 1, ne m'en veux pas si l'amour de ta vie flirtait avec moi. Et petit 2, t'es conscient qu'on va se manger une tempête de chiasse là? Ouais, mais on n'a pas le choix si on veut aider mon oncle. Pourquoi t'es encore prêt à risquer ta peau pour le sauver, après tout le mal qu'il t'a fait? Parce que tout le monde mérite une chance de se rattraper, même après avoir fait de la merde. Par exemple, même si ton pote de San Francisco t'en veut à mort, je suis sûr qu'il aimerait que tu le rappelles. Oh, attends, quoi? T'as trouvé mon journal intime? Mais non. Tu te passes en boucle des messages vocaux de Marcus, sur haut-parleur. Rappelle-le. Fais-moi confiance. Oh, ok. Ta gueule. Sky nous a réclamé le Broca Bridge. Elle doit pas savoir qu'on l'a fait péter. Alors on fait quoi? Ouais, justement. J'ai un truc à te dire. Ça va te faire un gros choc. C'est le Broca Bridge, ça? L'autre était une copie? Un faux Broca Bridge, mais une vraie bombe. Celui-là, je l'ai planqué là où personne ne pouvait le trouver. À la poste. Pendant tout ce temps, il a voyagé dans les limbes. Génial. Allez, on l'apporte à Brokatek. Attends.
Ok, je suis arrivé. Et la marque a clairement changé de visage. Il y a des gros bras de rempart un peu partout. Tu vas sûrement devoir te battre pour te frayer un chemin. T'inquiète. J'ai enfilé mes bottes de gros bourrin aujourd'hui. Ah!
l'instrumentation. Bim ! Bye bye, les méchants ! On a un problème. Les ascenseurs menant au labo clandestin sont désactivés. Rempart a bouclé tout l'étage. T'inquiète ! Je connais un autre moyen d'entrer. C'est un boulot pour Lady Mass. J'y suis. Rempart a posté des mecs à lui, là aussi. Tu sais quoi? J'y mettrais bien un peu... d'ambiance. T'as pas peur de révéler ta présence? C'est plus marrant comme ça. Balance le son! Montrer ta tête ici. T'essaies de t'emparer des labos de Sky? Franchement, Thomas, t'as vraiment un problème, hein, à piquer les affaires des autres et à faire comme si t'avais tout inventé. Tu aurais dû trouver ça flatteur qu'on cherche à voler le fruit de ton travail. Mais comme ton ex, j'ai trouvé mieux depuis. Et comme pour sa bagnole, je vais éclater tes affaires avec une masse, mon gars.
recherche de suspects en cours. Surcharge du processeur. C'est tous tes jouets. Tu es un homme mort. C'est juste que tu n'en as pas encore conscience. C'est la fin de ton petit business, Tom Tom. Ton entreprise est capoute. T'as plus rien. Je m'en suis assuré. J'ai eu exactement ce que je voulais ici. Et ton châtiment viendra. Mais je ne peux me permettre de patienter. La prochaine fois que je te verrai, je t'éplucherai la peau du visage. Lentement. Damoiselles et damoiseaux, très chers invités, Monsieur Rempart s'est retiré dans ses pénates. Excellent. Nous sommes en train de transporter Aiden Pierce jusqu'à vous. Il faut réactiver le système de commande pour que j'accède au labo. Bonjour Madame Larsen. Ici le directeur Aziz de la sécurité. Je vous ai envoyé mon rapport, mais voilà le topo. Rempart achète secrètement des actions Brocatec depuis presque 6 mois. On peut donc en conclure qu'il en a après nous. Heureusement, notre équipe de surveillance a découvert que Rempart s'intéresse surtout à... que vous demandez n'est pas réaliste. Nous n'avons pas le temps de faire les essais nécessaires ou de finir une version correcte. Je n'aime pas les excuses. Et là, c'est tout ce que j'entends. Alors, si vous n'êtes pas assez motivé, l'un d'entre vous sera choisi au hasard pour être le sujet test. D'accord? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour se plaindre. C'est du pur délire. Vous êtes cinglés. Vous savez... Je n'aime pas non plus ce mot. Voilà, vous avez le droit d'entrer. Alors, commençons. On peut commencer? Vous avez le brocabrique? Le système requiert 2 utilisateurs. Le pilote, qui utilise le brocabrique, et d'autre part le sujet, qui est connecté au lecteur. Vous pourrez communiquer avec l'esprit d'Aiden dans le coma. Il effectuera un scan complet de son cerveau afin de créer une projection rendant possible l'interaction. Et... C'est comme ça que je vais pouvoir le ramener? Nous espérons que vous pourrez communiquer avec lui. Et peut-être identifier, voire réparer des anomalies. Et ça prend combien de temps, d'habitude? Ça, j'ai hâte de le savoir. Quoi? Vous avez encore jamais fait ça? Ce test est le premier réalisé sur un humain. Au cours d'un projet, c'est la plus exaltante des phases. Non mais... Merde quoi! Vous nous avez menti! Vous vous foutiez de virer Rempart de vos labos! Vous vouliez juste qu'on vienne ici jouer aux cobayes! C'est de la sémantique. Jackson, c'est de la folie. On sait absolument pas si ça va réveiller Aiden. Moi, je dis, on le prend. On fout le camp d'ici et on trouvera un autre moyen. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Je dois le faire. Tu pourrais finir dans le coma aussi. Ou pire. Tout le monde mérite une chance. Oh, Seigneur, ça a l'air vachement profond, ça, dis donc. Mais putain, en vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'y vais. Pour Aiden.
Wow. Où est-ce que je... Ça veut dire que je suis dans la tête d'Aiden? Hé, hey, ça ressemble à mon ancienne maison. En fait, ça doit être mon ancienne maison. Là où j'ai grandi. Par là. Eh oh! Y'a quelqu'un? Peut-être que je pourrais entrer par derrière? Aiden, c'est toi! Aiden, franchement, je pensais pas te trouver aussi facilement. Il faut qu'on se sorte de là. Qu'on se sorte de là? Ouais, qu'on quitte cette simulation, ou quel que soit ce truc, techniquement. C'est cette porte, la sortie? Je vois rien dans le même genre, ça doit être notre meilleure option. Je suis occupé. À faire quoi? J'ai quelque chose à enterrer. J'ai perdu deux choses dans la maison. Ma casquette et mon manteau. Je pourrais pas être prêt sans eux. Prêt pour quoi? Tu peux me les récupérer. Aiden? Tu es blessé et j'essaye de t'aider à te réveiller. Tu veux m'aider? Va me chercher mon téléphone. Au moins, celle-là, elle est pas fermée. C'est beaucoup trop propre ici. La cuisine était toujours en désordre, on y passait tout notre temps. Et j'ai aussi défoncé la porte de cette armoire avec une batte. Lena me faisait toujours la tête deux fois plus grosse que le corps. Cette photo, c'est moi ? J'avais pas pensé à cette maison depuis longtemps. Et maman l'a vendue il y a des années. Mais Aiden l'a figée, comme une capsule temporelle. J'ai passé tellement de temps à faire des dictées ici pour travailler mon orthographe. Ça a pas trop marché d'ailleurs. Le téléphone doit être dans la chambre. J'ai trouvé. Bon, qui c'est qui appelle Aiden? Nikki? Maman? C'est arrivé il y a des heures. J'en peux plus de pondre des excuses pour toi. Et honnêtement, Jack, c'est assez malin pour pas les gober. Quitte à le décevoir, tu pouvais pas simplement dire que tu viendrais pas dès le départ, au lieu de lui donner de faux espoirs. Enfin, laisse tomber. Je l'ai ramené à la maison. On est parti. Voilà ton téléphone. Qui a appelé ? C'était maman. Elle avait pas l'air contente. Ouais. Je lui en veux pas. T'es prêt à t'en aller avec moi maintenant ? Il me faut encore ma casquette et mon manteau. Sérieux ?
Aiden, je sais pas comment le tourner autrement, mais tu es mal en point, là. T'es dans le coma. Il faut que tu te réveilles. Je les ai laissés quelque part dans la maison. Je me rappelle pas pourquoi. Tu vas devoir chercher. Pourquoi tu viens pas avec moi? Je t'ai dit, j'ai quelque chose à enterrer. Et on n'ira nulle part tant que ce sera pas fait. Si je te rapporte tes trucs, tu viendras avec moi? Ouais, bien sûr. Si c'est ce que tu veux. Oh, c'est quoi ce délire? C'est toujours la maison? Léna! Je veux dire, t'es quoi? Parce que tu peux pas être Léna. Ma sœur est morte quand j'étais petit. C'est quoi cette blague pourrie? Allez, Jack, c'est toi le chat. Quand jusqu'à 10, c'est bien de trouver. C'est l'esprit d'Aiden qui fait ça? Il arrive pas à faire le deuil. Et elle revient le hanter. Faut juste que tu trouves Léna. Allez, tu peux le faire. Léna, c'est pas drôle. Allez, Jack, j'ai trouvé une bonne cachette. On peut arrêter, s'il te plaît. J'ai pas envie de jouer à ça. Thank you.
lieu de l'accident. Tu m'as trouvé. Tu as gagné, Jack. Ça me fait peur d'être ici, Lena. J'aime pas repenser à cette journée. J'ai vraiment pas envie de la revivre. Ça va aller. On fait ça pour aider Oncle Aiden. Ouais. Ouais, d'accord. Maman, est-ce que ça va? Ça a été la pire journée de ma vie. Et j'ai l'impression qu'elle a duré un an. Je sais. J'ai mis du temps à tourner la page. J'ai pas tourné la page. Et j'en ai pas l'intention. C'était ma fille chérie. Quand on perd comme ça un morceau de soi-même, on s'en remet pas. Non. Mais peut-être qu'on peut trouver un meilleur moyen de se souvenir d'elle. Tout est de la faute d'Aiden. On cherchait à l'éliminer. Mais c'est pas lui qui a payé le prix fort. Je sais que tu penses plus comme ça maintenant. On a trouvé un moyen de guérir. Mais Aiden, pas encore. J'ai trouvé la casquette d'Aiden. J'ai ta casquette, et tu pars avec moi. Maintenant. Il me faut mon manteau. Rien à foutre du manteau. Rien à foutre de ce jeu de l'esprit, là. Tu sais ce que j'ai vu, hein? Lena reste là-dedans tout le temps. Il faut qu'on se tire d'ici, alors c'est parti! Je te l'ai dit, je dois d'abord finir ça. Et c'est quoi ça, exactement? Une tombe? Ta tombe? Tu sais, maman et moi, on a dû apprendre à accepter le passé. Mais toi, tu t'es torturé avec pendant tout ce temps. Je suis pas venu ici pour qu'on te perde encore une fois, c'est clair. Jackson, tu m'as aidé tellement plus que tu le crois. C'est comme ça que je m'en vais. Et je peux pas le faire sans toi. Aiden, je t'en prie. Tu me laisseras pas tomber. Sur quoi ça va déboucher cette fois? On dirait que je suis de retour dans la maison, mais... Vache! Pourquoi il y a du sang partout? C'est le sang de qui? Je peux pas passer par ici. Il faut que j'aille là-haut.
je crois que c'est bon. Je mets les pieds, sérieux. Ok, j'ai besoin de trouver le manteau d'Aiden. Concentre-toi là-dessus. La maison ressemble à une putain de scène de crime. Merde, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh putain, c'est qui tous ces gens-là? Oh, je crois qu'ils sont tous morts. L'assassin rôde encore dans le coin? Oh merde, merde, merde! Aiden, arrête! Qu'est-ce que tu fais ici? C'est qui tous ces gens? C'est toi qui as fait tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il peut pas m'entendre. C'est presque comme s'il était... bloqué. Bloqué à devoir refaire la même chose en boucle. Avec tout ce sang sur les mains. Aiden est piégé. Je dois trouver un moyen de l'interrompre. Je suis de retour. Ça a intérêt à marcher. J'ai ton manteau. Merci. J'avais pas envie de me faire enterrer en calbute. Tu comprends? C'est mieux d'être sapé pour l'occasion. Alors quoi? C'est tout? T'abandonnes? J'ai été Aiden Pierce, le renard, pendant longtemps. J'ai du sang sur les mains. Et des victimes sur la conscience. Et jamais je ne pourrai l'apaiser. Je suis fatigué. Je suis prêt à y mettre un terme. La seule chose que tu sais faire dans la vie, c'est de sacrifier. Mais maman n'a plus besoin de toi pour la protéger. J'ai plus besoin de toi pour me protéger. On veut juste que tu sois présent, c'est tout. J'ai causé assez de dégâts et de chagrin autour de moi, Jackson. C'est des funérailles. Y a pas moyen d'y couper. Ouais? Alors dis adieu au renard. Dis adieu à Aiden Pierce, le justicier. Enterre ce type. Mais me dis pas que tu te résumes à ça. Parce que t'es mon oncle aussi.
Aiden. Jackson. Où est-ce que je suis? Oh bordel, t'as réussi! Impressionnant. Certains relevés sur le Broca Bridge étaient pour le moins surprenants. Je sais pas si je dois vous frapper ou embrasser votre stupide bouche d'hologramme. Les deux? La vache. Qu'est-ce que j'ai loupé? Jackson, votre participation de ce jour vous donne droit à une extension de la bourse Larsen Family pour les deux prochaines années. Bien joué. Mais, comme cette victoire vient conclure nos affaires, chers messieurs, je vous suggère sans plus attendre de prendre congé. Les deux. Les deux, vraiment. Merci. Pour... Tu sais. Je sais. Retrouvailles magnifiques. Oh la vache, j'en ai les larmes aux yeux. Je me sens comme cet ange-là, dans le film. Maintenant que j'ai rabiboché Mr. Pierce et Mr. Pierce, je peux récupérer mon masque et mes ailes. Merci pour toute ton aide, Wrench. Pas besoin de me remercier. Réserve-moi juste ton premier-né. Allez, bisous. Attends, tu vas où, là? Je suis content que t'aies ramené Aiden. Maintenant, j'ai mes propres affaires à régler. Tu vas pourchasser Rempart? Écoute... Je viens de faire un séjour dans l'esprit d'un type bloqué sur le passé. C'était pas marrant. Tu voudrais pas juste passer à autre chose? Vraiment, je peux pas. Ok. Alors on va te filer un coup de main. Je sais pas ce que t'as prévu, mais tu peux compter sur nous, dans tous les cas. Ok, super. C'est parti. Wrench, on s'est installé dans ta tanière. Alors, où se cache Rempart, d'après toi? Comme Rempart a brûlé tous les ponts avec ses partenaires à Londres, je pense qu'il voudra prendre un nouveau départ ailleurs. Il a un jet privé? Je l'imagine mal se rendre à l'aéroport d'Heathrow. Rempart a une barge privée amarrée sur la Tamise. Officiellement, elle transporte des marchandises. Officieusement, il fait passer en douce des gens, de la contrebande, n'importe quoi. Jordi s'en est servi une fois ou deux. C'est un sociopathe, ton copain Jordi? Ouais, probable. Il fout les boules. Mais il est sexy. Bref, cette barge est le meilleur moyen pour Rempart de quitter la ville discrètement. Je dois lui mettre la main dessus. Oui, bien sûr. À la nage? Je connais peut-être quelqu'un qui peut t'aider. Un capitaine qui m'a fait entrer en douce dans la ville avec son bateau. Je vais le prévenir de ta visite. Ouf! Je veux dire, j'ai la classe en maillot de bain, hein? Mais je nage pas assez vite. J'ai des jambes trop maigres. Dis-moi juste, qu'est-ce que tu comptes faire après l'avoir chopé? Le descendre? Bah ouais! C'est une question. C'est vraiment ça que tu veux? Timothée. Rempart est une enflure. Mais t'as travaillé avec lui. Vous avez un passé tous les deux. Même s'il le mérite, le tuer ne réglera rien de façon satisfaisante pour toi. Sérieux? Tu vas pas me la faire morale là-dessus? Reste au chaud dans les gradins, Pierce Senior. Moi, je suis aux premières loges pour me venger.
Une tête de vieux loup de mer. C'est toi le capitaine dont m'a parlé Hayden? Hayden? Oui. Il m'a dit que t'as besoin d'un bateau? Exactement. C'est pour monter sur un encore plus gros bateau. Et tu es un membre de sa famille? Non, mais je considère Hayden un peu comme... comme mon oncle. On est d'égal à égal, donc c'est un peu ma figure fraterno-paterno-oncle. Ouais, un beau sac de nœuds. Allez, on y va. La salle de navigation.
Je peux pas accéder aux commandes de navigation. Je vais devoir carrément couper le moteur. Mais je sais pas comment l'atteindre. Tu veux vraiment mettre les mains dans le cambouis? Je parie que ton drone pourrait te servir. Tu me rends tellement fier! J'ai versé l'armichette! Attention, t'as des drones ennemis en approche. Je savais que tu viendrais. Et ça me fait plaisir. Je ne voulais pas quitter Londres sans te faire un petit cadeau d'adieu. Si c'est un épluchage de visage, tu peux te le garder, hein. Un appareil. Quand le tissu de ton visage se nécrose, ça fait comme des coups de poignard. Brûlant, froid, brûlant, froid. Mais tu le ressentiras au centuple. Parce que la philosophie œil pour œil, ça ne me suffira pas. Cette fois, c'est œil pour œil, dent pour dent, et tout le reste de ta petite gueule. C'est pas très catholique de ta part, Tom Tom. J'ai privé d'alimentation. Pirate le dernier moteur et immobilise ce bateau pour de bon. À vos ordres, Captain! J'ai cloué sur place. Elle ira nulle part. Je détecte un signal émis par la barge. Et d'énormes pics énergétiques en provenance de la soute. Il a activé quelque chose. Un truc massif,
Préparez-vous à combattre. Admirez le Mark II. Piloté par... Aucun problème de truc. Oh, bordel. Une petite démonstration. Jackson ? Aiden ? Comment je combats ce machin ? T'as aucun moyen de percer ces boucliers. Accroche-toi, on va trouver un moyen de les couper. Et tu vas me supplier de t'achever. Il en faut vraiment plus pour m'abattre. Ah,
Ce n'est pas fini avec toi. Je vais te voir souffrir. T'aimes cette pirouette? Eh ben y a pas de quoi. Continue comme ça! Tu l'as eu à moitié! Inutile. Je peux me faire un autre prototype. Vous êtes mort. Vous ne pouvez rien contre moi. Non, si je peux. Tim ? J'étais tellement sûr que j'allais te buter. Tellement plus facile aussi. Je bossais pas avec toi pour l'argent, tu sais. Alors oui, je pensais que t'étais un salaud avec des cheveux beaucoup trop gominés au passage, mais t'avais un rêve. Tu te souviens? Tu m'avais dit que tu voulais voir l'humanité atteindre les étoiles. Et que ça, on le verrait ensemble. C'était des mensonges, abruti de naïf. Connard. Et je vais te traquer. Toi et tous tes petits camarades de San Francisco. Chitara. Josh. Marcus. Ah.
Je vais être franc, je m'attendais pas à ce que tu le livres aux forces d'Albion. Je me suis demandé, il ferait quoi à Aiden Pierce? Et puis après, je me suis dit, je veux vraiment devenir comme lui, hein? Bon, le prends pas mal, hein? Je crois que t'as pris la bonne décision. Même si je rêvais de le fracasser en tout petits morceaux et de le disperser aux quatre coins de la Tamise, pour qu'il finisse en caca de goéland. La maturité viendra. Alors, c'est quoi ta prochaine quête? Rentrer chez toi? Non, je vais encore traîner un peu à Londres, régulier. Ou alors, je pourrais aller à Buckingham Palace et chourer un rouleau de PQ royal. Pour lui rapporter un souvenir. Super. Si tu t'attires des embrouilles, je sens que ce sera à nous de te tirer du pétrin. Oh, trop mignon. Ça, c'est un vrai moment de famille. On fait une sacrée dream team. Jackson et ses deux oncles. Ses deux oncles? Chut, c'est bon. Te prends pas la tête. Eh ben, vous avez fait un boulot d'enfer tous les trois. Je suis impressionnée. Je suis un faiseur de miracles, que veux-tu? Alors, si vous voulez rester un moment, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main à moyen terme. Un de mes contacts a retrouvé une membre de DedSec ayant survécu aux attaques de Londres. Elle était partie se planquer dans le nord. Il faut qu'on établisse un lien de communication avec elle. Nos problèmes au colis, on s'en occupe. Super. J'attends d'avoir assemblé toutes les infos et je vous fais signe. Allez tout le monde, ensemble. Équipe de ouf. Allez Aiden, faut que tu le dises avec moi là. Équipe de ouf.